L'esprit même de l'hérésie démontre que l'attachement aux traditions est un moment où nous découvrons la confiance et l'esprit de toutes les valeurs qui vont la plus précieuse partition de la terre en quelque sorte une terre de tout. Les traditions de tout brutal pour intérêt, respect et valeur. L'une de ses passions, nous l'avons appris cet été, en tout cas c'est mon cas, c'est un grand bédéphile. Il a, selon ses informations, plus de 6500 collections qu'il a rassemblées pendant près de 40 ans. C'est vraiment un grand travail de fourmi de rassembler tout cela et je me suis dit que certainement pendant le week-end, Pierre-Alain Clément a vite relu Tintin au Tibet pour être profondément en osmose avec la 41e édition des rencontres de folklore internationale de Fribourg. Monsieur le syndic de la ville de Fribourg, vous avez la parole. Non, Madame Schwegler, je n'ai malheureusement pas rencontré le Yeti aujourd'hui. J'espère pouvoir ces prochains jours y parvenir. Mesdames et messieurs les invités, chers amis du folklore venus de Suisse, d'Europe et du monde, liebe Freunde des folklore, les belles traditions introduites depuis 40 ans se perpétuent et s'inscrivent avec vous chaque année dans une continuité rassurante. En effet, alors même que la violence et de lourds orages porteurs de désolation s'accumulent sur tous les continents, nous avons grâce à vous, amis du monde entier, la joie, le bonheur et surtout le privilège de vous rencontrer
afin de partager avec vous vos coutumes, votre culture, vos danses, vos chants, quelques nouveaux instants d'amitié et de convivialité. Jamais, mesdames et messieurs, ce sentiment de plus en plus fort d'appartenir à ce village global qu'est le monde n'aura été aussi fort. Lorsqu'on pense aux attentats de Paris, de Tunisie, aux malheurs que traversent les habitants du Proche et du Moyen-Orient, pour ne prendre que quelques exemples. Ces retrouvailles annuelles, nous vous les devons, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du comité d'organisation, et nous en sommes très reconnaissants. Un grand merci aussi à toutes celles et ceux qui nous permettent une fois de plus d'ouvrir cette fenêtre sur le monde. Bienvenue, chers amis, qui vous déplacez depuis les quatre coins du globe pour passer quelques jours à Fribourg. Vous nous permettez de prolonger encore un peu le rêve du temps de l'été par votre musique, vos danses et vos coutumes. Willkommen, liebe Freunde der Welt, die sich Freiburg in diesen Tagen sie ermöglichen, es uns noch einmal einen kleinen Traum des aus der Zeit des Sommers durch die Musik tanzen und ihre Bräuche zu verlangen. Welcome, dear friends of the world, who join Fribourg during these few days. You allow us to extend again a little dream from the time of the summer by your music, your dancing and your customs. Bienvenue particulière dans le cadre de l'accent de cette année à tous les groupes de la culture celtique, une culture largement disséminée dans l'Europe. Dans ce contexte, je salue les représentants du groupe Bleu-Niadur qui nous vient de Bretagne. Bienvenido a la Asociación Cultural Donaire, grupo precedente de La Coruña, provincia de Galicia. Welcome to the group School Swim Scotland, coming from Dublin. And welcome to the group Eiffen, coming from Istanbul. This is Wu coming from Croatia. Au nom du conseil communal, je souhaite que ces quelques jours soient évidemment une réussite. C'est déjà bien commencé et je remercie car cela représente, il faut en être conscient, un effort immense renouvelé chaque année. Toutes celles et ceux qui s'engagent, ceux qui nous invitent tant à la fête et surtout qu'à la paix. Excellent week-end, excellente fête. Je vous remercie de votre attention. Thank you.
en votre nom, chers publics et chers invités, nous pouvons remercier les deux formations musicales qui ont agrémenté cette cérémonie d'ouverture ce soir, à savoir l'Écho des Montagnes, le groupe de Corps des Alpes, sous la direction. Merci à tout le monde et bonne soirée.